Salut tout le monde, je m'appelle Jenna Ortega. Et moi, Emma Myers. Allez, vas-y, on se fait une photo en se faisant un gros câlin. Ah oui, j'adore les câlins. Moi, j'ai un petit faible pour Jenna. Et demain, on va se marier. Jenna, tu as 69 posts sur Instagram. Oh, t'inquiète, le 69, je vais le faire avec toi. Et... Hop là. Ah, j'ai failli tomber. Et attention, je vais te toucher. Ah, et non, raté. Ah, je t'ai touché. Alors, si tu devais te marier avec un membre du casting de mercredi, tu choisirais qui, hein? Non, mais sans hésitation, je choisirais Emma Myers. Non, mais je rêve d'elle jour et nuit tellement qu'elle est faite pour moi. C'est mon âme sœur, assez sûr, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et regardez, c'est quand on a cambriolé une banque avec Jenna parce qu'on a trop vu la Casa des Papels. En plus, ce qui est trop bien, là, les policiers, ils ont aucune preuve contre nous, donc on risque pas de se faire arrêter. Enfin, ça reste entre nous, ça, bien sûr. Hein. Passe-moi la lampe. Oh, pardon, ça va? Oh, tu m'as dit passe-moi la lampe, mais j'ai compris, lance-moi la lampe. Passe-moi la lampe. Bah, tu vois, la première fois que je t'ai vue, bah, je me suis dit, oh my god, mais cette meuf, elle est tellement fraîche. Je vais faire des séances de pudding avec. Ouais, tous les jours. C'est mercredi version japonaise, ouais. Ah, c'est beaucoup trop classe. Tu voudras me ken en version japonaise? Oh oui. Est-ce que tu penses que mercredi et Enid vont finir ensemble? Alors, comme je dis toujours, les opposés s'attirent, hein, donc pourquoi pas qu'elles deviennent plus proches. Alors moi, j'ai une théorie. Comme quoi, Enid est trop amoureuse de mercredi. Ah, my name is Harry Horses. Ouais, on danse, yeah. Ouais, trop bien. La première fois que j'ai rencontré Jenna, j'étais un peu nerveuse, mais elle m'a très vite fait un câlin et j'ai eu des frissons dans tout le corps, que ça a très vite fini dans un hôtel. Tu te rappelles quand on a voulu faire une séance de pudding dans la chambre du studio et qu'on s'est fait choper? Oh mais ouais, on n'a pas eu de chance pour ce coup. Mais tu faisais trop de bruit. Moi, c'était plus toi, ouais, qui faisais plein de bruit. Non hein. Mais aussi, j'adore applaudir. Mais c'est trop nul qu'au studio, ils interdisent qu'on applaudisse entre nous, wesh. Quelles sont les raisons que vous donnez pour qu'on aille voir la série? Parce que Jenna Ortega, elle est trop fraîche. Alors moi, c'est ma scène préférée parce que quand je te vois danser, j'ai envie de te faire des trucs. Et dites-moi si je vous gêne, j'ai l'impression d'être en trop. Tu sais, quand j'ai fait mon entraînement de loup-garou au camp... Oh oui, oui. Je devais me rouler par terre comme un petit chien, mais heureusement que tu m'as bien entraînée et du coup, je l'ai super bien fait. Et oui, c'est moi qui l'ai entraînée. D'ailleurs, c'était dans notre chambre. Enfin, c'était juste pour l'entraîner, hein. Pensez pas à autre chose. Ouh, ouais. Tournez les bras. Ouh, yeah. Je trouve que malgré que mercredi a un visage de marbre, bah moi je vois toutes ses émotions dans ses yeux. Elle parle avec ses yeux, genre il y a des paillettes quand elle me regarde ou quand elle a envie de pudding. Toi, comment t'appellerais notre relation? Je dirais meilleure amie de pudding. Enfin, vous... Oh oui, le pudding. Ouais, on adore. Tu penses que nos personnages vont finir ensemble? Bah peut-être. Genre un bisou ou peut-être plus. Et mais elle pense qu'à ça? Oui. Bon, au moins elle assume, c'est bien, voilà. Tu penses que si dans la série, nos personnages Mercredi et Enid ont une relation un peu plus rapprochée, un peu charnelle, si tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que tu penses qu'on a la même relation dans la vraie vie? Bah tout aussi charnel qu'on a déjà. Je pense qu'on a tous besoin d'une Enid dans notre vie pour qu'elle mette de la couleur dans nos journées. Et donc je me suis sentie tout de suite connectée quand j'ai rencontré Emma Myers, alors que c'est assez rare que je me sente directement à l'aise avec quelqu'un. Donc c'était un pur plaisir de jouer avec elle et aussi de jouer en privé. Mais ça c'est pour autre chose. Bref, en tout cas c'est une personne super gentille et authentique. Elle est juste incroyable, moi je l'aime à mort, j'adore travailler avec elle et jouer avec. Jenna, tu voudrais pas me tenir la main? Là, maintenant. Mais les filles... Oh, tais-toi, je prends sa main si je veux, même s'il y a des caméras. Tu trouves pas que on se complète super bien toutes les deux? T'es comme ma moitié, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, mes petits skies. Et maintenant, regardez si Mercredi et Enid étaient en couple. Abonne-toi à la chaîne. Et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis, alors faites-le. Abonne-toi, mon petit ami.